un chantier qui pour nous a démarré la phase principale le 2 mai 2016, à savoir qu'on avait déjà effectué des travaux de débroussaillage et premier dégagement d'emprise en octobre 2015, et qu'on a commencé à s'installer nous sur le chantier à partir de mi-avril 2016. Et donc c'est un chantier qui devrait durer jusqu'au mars 2018. En mars 2018, ils ont prévu l'ouverture du centre commercial et de l'ensemble de la zone. La ville RTP, donc, on s'occupe à 100% des terrassements et on réalise la moitié des assainissements et réseaux secs. Donc, pour ce qui est des terrassements, donc, ça représente 50 000 m3 de terre végétale en décapage, à stocker sur site, une partie réutilisée, une partie en dépôt définitif. Et ensuite 400 000 m3 de déblais remblés sur site avec un dépôt extérieur qui représente de l'ordre de 40 000 m3 qui se situe juste en face du chantier. Donc c'est des travaux, les travaux de terrassement ont démarré tout de suite début mai. Ils ont eu du mal à se lancer parce que on a eu quand même un mois de mai et un mois de juin fort en intempéries, puisqu'on a eu 23 jours d'intempéries sur les deux premiers mois de chantier. Ensuite, on a quand même bénéficié d'une belle saison estivale avec un mois de juillet, août, septembre et maintenant début octobre qui sont des mois secs. Ils nous ont permis quand même de rattraper une partie du retard accumulé et aujourd'hui donc d'être à jour dans les livraisons de plateforme et de débuter les travaux d'assainissement et bientôt de réseau sec dans un timing conforme au délai et au planning imposé et défini. Il est attribué dans le groupe NGE à Muller TP. Après, comme c'est des travaux de terrassement, on fait appel à du matériel donc, qui est géré par Guintoli. Souvent des chauffeurs qui sont attitrés sur ce matériel, donc qui sont des chauffeurs Guintoli des grands travaux. Et après, on a aussi du personnel de chez SLD, de chez NGE Génie Civil. Et après, on reste quand même sur un personnel de la région avec des gens de chez Gartizer Saverne. Probablement pour la partie réseau qui va arriver cet hiver, des personnes de l'agence de Rosslange. Aujourd'hui on est sur, donc là pour l'automne, on est sur 20 à 30 personnes sur le chantier par jour. On a été pendant l'été, quand on travaillait en poste, c'est-à-dire de 5h à 22h, on avait entre 30 et 40 personnes sur le chantier chaque jour.